intelligent. 24 heures. Journal Alter Radio. 24 heures. 24 heures, information besoin sous Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est Journal Sport. Nous passons à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. La qualité sportive là sur le plan national Taekwondo, note de rectification de la Fédération sur information capsule qui fait connaître que l'athlète Alia Shipman remporté une médaille d'or dans le championnat du monde. Non, la vérité c'est non. Football féminin, Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande 2023, sorti 20 juillet pour 20 août, début du stade de préparation de la sélection nationale le 19 juin en Suisse, plusieurs grenadiers, donné William Olesir, avec Batuba Louis de passage en Haïti. Bon, côté par les sélections nationales masculines, non, qui engagent les Girl Cup là, qui va le dérouler aux États-Unis, sorti 24 juin pour 16 juillet, a commencé à préparer les en Floride d'ici ce mercredi 7 juin. À l'étranger, tennis, tournoi de Roland Garros, Alcaraz, Djokovic, Kachanov, Vitolina, Sabalenka qualifié pour quart de finale. Basketball NBA, James Borrego, premier assistant coach des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, aux côtés de Willie Green. Football championnat d'Espagne, départ de Karim Benzema du Real Madrid après 14 ans de bon service. Championnat de France après Sergio Ramos, Paris Saint-Germain, officialisé départ Lionel Messi. FA Cup en Angleterre, nouveau trophée pour Manchester City qui bat Manchester United 2-1 en finale. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sou tout sport, sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org.
Développement, actualité sportive, flan d'abord sur plan national, taekwondo, non, note publiée sous page Facebook, li, Fédération 1, li tient à rectifier information ça qui t'a circulé concernant athlète Alia Shipman. Tout d'abord, la FHTKD lui exprimer sa gratitude envers la presse pour attention portée à sa superstar et son accomplissement historique en devenant la première femme à remporter un combat dans un championnat du monde depuis 1973. Cependant, il est important pour lui clarifier une information erronée qui était relayée. Il a été mentionné qu'Alia Shipman y remportait une médaille d'or lors du championnat du monde qui déroulé à Bakou. La Fédération haïtienne de taekwondo lui tient pour le souligner qu'elle n'a jamais publié un tel poste sur sa page officielle. Il invite donc les membres de la presse sportive à consulter ses pages officielles ainsi que bureau communication avant de relayer des informations afin de garantir l'exactitude des faits et aux notes de la Fédération haïtienne de taekwondo. Football transfert, le portier capitaine de la sélection nationale Johnny Placide, 35 ans, est prolongé de 2 ans jusqu'à été 2025 contre Ali au Sporting Club de Bastia. Placide, c'est un joueur majeur du SCB qui évolue dans la Ligue 2A en France. Le portier franco-haïtien est arrivé sans faire de bruit à Fouyani en 2021 en provenance de Sofia en Bulgarie. Il était semblé destiné au rôle de doublure de Thomas Vicencini. Mais au fil de la saison, international haïtien a démontré étendu talent jusqu'à l'y imposer lui comme le portier incontestable des Bleus de Bastia qui finit saison à la 4e place avec 60 points pour un bilan de 17 victoires, 9 nuls et 12 défaites. Johnny Placide l'y attendit donc cette semaine en Floride pour le stade de préparation avec l'équipe nationale qui vient pour disputer la Gold Cup sorti 24 juin pour y arriver 16 juillet Cabé Vinila. Alter Sport, toute nouvelle sous toute sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. L'autre point de l'actualité sportif là, sous plan national, football côté féminin cette fois-ci, il y a un défenseur international haïtien, Claire Constant, 23 ans, qui va manquer la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023 en raison d'un déchirure des ligaments croisés. C'est intéressé à lui-même qui t'a fait annonce là jeudi dernier sur réseaux sociaux. Information qui était par la suite confirmée week-end se passé par le comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football. On a rappelé que Grenadier ou à la Fontaine, en groupe D, à l'Angleterre, la République populaire de Chine et le Danemark, la Coupe du Monde, il va dérouler sur le 20 juin pour arriver, alors 20 juillet pour arriver 20 août Cabina. Qualifié pour la Coupe du Monde, Australie-Nouvelle-Zélande 2023, sélection nationale féminine senior là, Libral débuté à partir du 19 juin au plan de préparation en 3 étapes, qui va mener d'abord en Suisse, puis en Corée du Sud, et finalement en Australie avant premier match face à l'Angleterre le 22 juillet à Brisbane. De leur lieu de vacances, les Grenadiers y vont partir pour la Suisse, le premier lieu de rassemblement, sorti 19 juin au 2 juillet au complexe sportif Crans-Montana. Premier camp d'entraînement, ça, il va le consacrer à leur oxygénation durant 15 jours en haute montagne, 1500 mètres d'altitude. Les filles ont gagné la possibilité pour le travail dans d'excellentes conditions sur des terrains à pelouse naturelle. Pour clôturer étape, ça, Grenadier va disputer le 1er juillet à Matigny un match amical international contre Malte qui est classé 85e et au dernier classement mondial de la FIFA. N'a pas oublié que Haïti lui-même les 53e. Deuxième étape, là, il va le faire sortir 2 privé 10 juillet. Il va la délégation haïtienne dans ses journées en Corée du Sud. Côté staff technique, là, il va aborder la partie technique de la préparation qui va suivre dans le deuxième match amical contre la sélection féminine locale le vendredi 9 juillet. Contexte important pour les Grenadiers face à l'équipe sud-coréenne, 17e au classement mondial de la FIFA. La sélection haïtienne il fait partie des premiers à fouler le sol australien puisque il va entamer la dernière phase de sa préparation, sorti 12 pour arriver 20 juillet dans la ville de Perth où elle établira son camp de base. Un petit match amical qui peut voir le 15 juillet contre une sélection locale. N'a pas rappelé que Grenadiers va jouer la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, sorti 20 juillet pour arriver 20 août. Coéquipière Melchidale du Monnaie, où elle débute la compétition dans le groupe D contre l'Angleterre le 22 juillet à Brisbane, en Australie, avant de rencontrer la République populaire de Chine le 28 juillet, puis le Danemark le 1er août. N'a pas rappelé différents groupes pour Coupe du Monde. Ça. Groupe A, c'est Nouvelle-Zélande, Norvège, Philippines, Suisse. Groupe B, Australie, Canada, Nigeria, R. Groupe C, Costa Rica, Japon, Espagne, Zambie. Groupe D, République populaire de Chine, Danemark, Angleterre, Haïti. Groupe E, Pays-Bas, Portugal, États-Unis, Vietnam.
Groupe F, Brésil, France, Jamaïque, Panama. Groupe G, Argentine, Italie, Afrique du Sud, Suède. Groupe H, Colombie, Allemagne, Corée du Sud avec Maroc. Et pour nous clôturer, actualité locale là, basketball 3 contre 3, un sélectionneur national là, Jean-Alex Joinville, qui dévoilait semaine qui se passait à la liste définitive des 4 joueurs U23 retenus pour effectuer les déplacements à San Salvador pour les 24e Jeux Centrafricains et Caraïbes. Tournoi qui va dérouler, alors tournoi basketball là, qui va dérouler du 30 juin au 2 juillet 2023 au Plaza Gerardo Barrios à San Salvador. 4 sélectionnés, c'est Kevinson Blanc, IHCE, Max Macon, IHCE, Fritz Salvan, Sojé Basket, et puis Wilson Rosney, IHCE. Dans l'autre discipline, comme le tennis de table, judo, taekwondo, football féminin, pour représenter le PIA, à ces jeux régionaux qui pourraient réunir environ 5000 athlètes sur le 23 juin pour arriver 8 juillet. On te pose, nous retournons, nous aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux. Magazine et rubrique d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, à pas me tendre ces choléra qui touille Pierrot, de quoi me tendre maladie ça a été passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourner à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. Depuis vous servir à glo traité pour boire et puis manger, lavez mes en à glo avec savon, si tout les saute dans toilette ak avant ou manger, choléra pas besoin de route pour rentrer sous. La barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout konn bagay ça déjà. Konnen se youn, mais est-ce que nous fayo? Bon. Nous faisons ça, nous capables. C'est pas fait, ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sous. Connaissez youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout le temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tous qui pour barrer. C'était un message, MSPP ak partenaire Lio. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes. Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Posé depuis décembre passé, pour pas nous recevoir cadeau encore, ça fini à Digicel. Parce que nous-mêmes dans Digicel, nous décrétons, moi janvier, son mois, tout le monde joint. Digicel a bâillé 100 motos pendant 100 jours. Ça a quitté janvier derrière, oui. Qui donc, yon moto chaque jour. Sans qu'on nous parle pour y faire là. Levez campé, levez téléphone ou composez étoile 500 sièges. Voyez l'aller et puis choisissez option tirage moto. Et puis boum, ou tout gagne chance moto. C'est pas bagaille petit nous, il y a 100 motos captant nous. Promotion ça, son promotion téléchargez. Est-ce qu'on compose code là déjà? Fais vite non. Prends téléphone ou composez étoile 500 sièges. Voyez l'aller et puis choisissez option tirage moto. Et puis soit attendez à. Mortoli et tonton. De pour t'en de Digicel ou t'en de Haïti. Parce que nous c'est Digicel, nous c'est Haïti. Digicel, téléphone pays. N'a toujours pas please. L'État haïtien, à travers ministère éducation nationale, n'a tête collé avec ministère affaires étrangères, mettait disponible yon moyen plus rapide pour jouer un diplôme baccalauréat ou à relever note. Quel que soit côté où il est dans le pays, ou soit à l'étranger, allez sur site internet ministère éducation nationale là, qui c'est menfp.gouv.ht, cap mené sous plateforme bureau national examen l'état. Cliquez dans e-document et puis mettez information sous papier ou besoin. Ou qu'à cliquer sous lien ça, https
www.bunex.org et document cap mené sous plateforme Bunex là tout. Après ça, entrée année où tu participé dans examen, numéro d'ordre, nom, prénom ak numéro téléphone nou. La pou la ou ap joine diplôme baccalauréat ak relevé nan tout, tout légalise. Processus ça fait dans toute sécurité. Dans n'importe pays où y a, y a capable vérifier si document ça est bon grâce à QR code. Plateforme nan facile pour utiliser. Nan yon ti krastan, ou ap gen diplôme ou ak relevé nan tout sous téléphone, tablette ou soit ordinateur. Pour kounye ya, service la gratis. Qui donc, monte descend fini, ou pas besoin de déplacer. Juste taper menfp.gouv.ht sous téléphone, tablette ou bien ordinateur et puis aller sous plateforme Binex là. Rentrer information yo là pour là, ou joindre diplôme baccalauréat ak relevé de notes. L'état haïtien a travail pour bail bon qualité service qui fiable, sécurisé dans intérêt toute société. Citoyens, citoyennes, pays d'Haïti. Est-ce qu'on connaît l'âge grandette majeur pacifique pour faire des rouillons bon citoyen, citoyenne? Est-ce qu'on connaît ou gen gros rôle pour jouer sous petit bout de territoire côté wap évoluer a? Est-ce qu'on connaît tout dans ça qui passe dans pays a? Ou responsable, l'on pas veut jouer rôle ou bien comme un bon citoyen, citoyenne? Oui, oui, ou responsable. Leur prend si maille vote pour n'importe qui moun, n'importe comment et dans n'importe qui condition. Ou responsable tout, leur quitte ou vote nan place. Est-ce qu'on connaît grain vote ou adoué synonyme intérêt collectif là et non intérêt personnel ou? Dans tête collé avec partenaire Lio, groupe d'action francophone pour l'environnement GAF mette à disposition tout moun. Toute organisation dans société a contrat pour transition écologique et sociale. Zouti ça, bay tout acteur, actrice local yo, bon jan moyen qui nécessaire pour pousser décideurs politiques yo porter un bon jan réflexion sous divers enjeux social, économique, politique et environnemental yo. Pour ça fait, faut chaque citoyen, citoyenne prend responsabilité yo, utiliser contrat pour former tête yo, former chaque membre dans organisation yo, faire débat dans communauté yo, sous chaque pilier qui dans contrat, les nous tout d'accord, sous ça nous voulez. Sous sac de fait, n'a pas dit nous parer pour changer système. Comme ça, n'importe les va gagner bon jan élection libre, transparent et démocratique. Yon seul rendez-vous nous pral casser pour nous gagner l'autre modèle gouvernance pour une société solide dans justice sociale et respect climat. Contrat pour transition écologique et sociale là disponible tout côté. Ou capable télécharger facilement, le ou tape www.gafhaiti.org ou bien visite page Facebook GAF Haiti. Citoyens, citoyennes, qui sa wap tan pou faire outil ça, tourner à faire pau et offrir tête ou ensemble avec génération k'ap vini yo, yon pi bon Haiti. Yo bo, te ko di msi dam sa gen jem visi dan sa bon, comment le fait en forme comme ça amine? Tout ka bo. Elle est moins en forme, frère. Bah, privé, non, papa. Pourquoi ce n'est pas capon? Monsieur. Bon, qui ça vous dit là? Ou pas informé? Un monde qui a un virus sida, c'est tant qu'on n'importe une maladie qu'on est qui? Tant qu'on maladie qui est, psych, tension. Et puis tout, les gens qui ont pris un médicament, la mener vie familiale, aller à l'école, à travail, normalement, oui. Crété, Régine. Comment fait qu'on tout bagay sa yo? Maman le docteur oui, pété. Ou gen oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet a. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est tant qu'virus la té disparèt nan san. Oh. Disparèt nan san même, ça veut dire, li pa gen encore? Li toujours gen, mais grâce à ce médicament ARVO, quand tu virus qui dans celle devient tellement petit, test à examen laboratoire pas même river détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis allo faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informé dans des timon. Yon ti kras VIH nan san egal zéro transmission. Se yon mesaj, Ministère Santé Publique PNLS, grâce ak Sipo Teknik Institut Panos, epi financeman PEP Amerike, a travè PEPFAR ak USAID.
Alter Sport. Actualité sport nationale ak internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là, pour qu'on y a sur le plan international, il y a Real Madrid qui a annoncé dimanche dans le communiqué le départ de Karim Benzema après 14 saisons passées au club espagnol. L'attaquant français Ballon d'Or 2022 n'est pas prolongé contre Ali qui t'avait suivi le 30 juin prochain. Un tremblement de terre à Madrid, côté Benzema, 35 ans, il était porté le brassard de capitaine, arrivé au Real en 2009 en provenant de l'Olympique Lyonnais. Benzema, 35 ans, il a gagné 5 Ligues des Champions avec les Merengues. Mieux avec 25 trophées au total, il est le joueur le plus titré du Real avec le Brésilien Marcelo. Le Français, c'est le cinquième joueur le plus capé de l'histoire des Merengues, 646 matchs et le seul étranger du top 10. Il est tout deuxième meilleur buteur de la Casablanca avec 354 réalisations. Justement, en Espagne, c'était la 38e et dernière journée. Le week-end écoulé, Mallorca bat Rayo Vallecano 3-0, Real Sociedad bat FC Séville 2-1, 2-2 entre Villarreal et Atlético Madrid, 1-1 entre Real Madrid et Atlético Bilbao, gol de Benzema, Osasuna bat Girona 2-1, Real Betis Valence 1 gol partout, Celta Vigo bat FC Barcelone 2-1, Guerre Espagnol Barcelone avec Almeria qui fait 3-3, El Chicadis 1-1, Valladolid Getafe 0-0, classement final. FC Barcelone champion 88 points, deuxième Real Madrid 78 points, troisième Atlético Madrid 77 points, quatrième Real Sociedad 71 points, cinquième Villarreal 64 points, classement des buteurs c'est Lewandowski FC Barcelone 23 goals, Karim Benzema Real Madrid qui marquait 19 goals. En Angleterre, Manchester City remporté un nouveau trophée après victoire le samedi en finale de FA Cup à Manchester United face à Manchester United 2-1. Peu après que le remporté l'édition 2022-2023 du championnat, les Citizens sont imposés au samedi à Wembley face à Manchester United suite à début de Ilkay Gundogan, 12e, seconde et 51e minute. Manchester United égalisé sur penalty par Bruno Fernandes. Pep Guardiola et ses hommes ont ainsi logiquement remporté la rencontre et soulevé leur deuxième trophée de l'année 2023. N'a pas oublié qu'en Angleterre, c'est Manchester City qui est champion avec 89 points, deuxième Arsenal 84 points. Classement des buteurs, c'est Erling Haaland, Manchester City 36 goals, et puis Harry Kane, Tottenham avec 30 goals en Italie. C'était 38e et dernière journée à week-end se passé. Sur un final, bat Sassuolo 3-1, gagné Inter grâce à Brozovic qui a battu Torino 1-0. Cremonese bat Salernitana 2-0, Lazio en déplacement bat Empoli 2-0, après le score 2-0, Naples bat Sampdoria 2-0, Atalanta corrige Monza 5-2, Juventus al bat Udinese 1-0, Bologna en déplacement bat Lecce 3-2, Milan AC font victoire 3-1 au dépens de Vérone. La Roma bat Spezia 2-1, c'est Naples qui est champion 90 points, deuxième Lazio 74 points, troisième Inter 72 points, 4e Milan 70 points, 5e Atalanta 64 points, 6e Roma 63 points, 7e Juventus 62 points. Classement des buteurs, c'est Victor Osimhen Naples 26 goals, Lautaro Martinez Inter avec 21 goals. En France, après Sergio Ramos Paris Saint-Germain, il a officialisé le départ de Lionel Messi. Sans surprise, l'aventure de Lionel Messi est finie. En même temps que la saison 2022-2023, arrivé l'été 2021, le champion du monde argentin de 35 ans a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain samedi contre Clermont, défaite 2-3. Bilan global, 32 goals marqués, 35 pas décisifs en 2 ans et 74 matchs. Et puis au lendemain de l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain, et alors que le FC Barcelone n'est pas l'enrant, gagné un redirigeant du club saoudien, Dal Hilal, qui à Paris pour tenter de conclure un énorme contrat avec Lionel Messi. Et puis justement, en France, c'était 38e et dernière journée. À tout résultat, Montpellier bat Reims 3-1, même contre Nice et Lyon, victoire de Nice. Nantes bat Angers 1-0, Paris Saint-Germain tombé la Cali devant Clermont 2-3, Ajaccio bat Marseille 1-0, 3 Lille, un goal partout, Lorient bat Strasbourg 2-1, Lens bat Auxerre 3-1, Rennes en déplacement bat Brest 2-1, Toulouse bat Monaco 2-1, Paris Saint-Germain champion 85 points, deuxième Lens 84 points, troisième Marseille 73 points, quatrième Rennes 68 points, cinquième Lille 67 points. Classement des buteurs, c'est Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain 29 goals, Alexandre Lacazette, Lyon 27 goals et puis Jonathan David, Lille 24 réalisations. En Allemagne, on a pu rappeler, champion c'est Bayern Munich qui finit en tête avec 71 points, goal différence plus 54, deuxième c'est Dortmund, 71 points tout, mais goal différence plus 39, troisième c'est RB Leipzig, 66 points, classement des buteurs dominé par Christopher Nkunku, RB Leipzig 16 goals et puis Niklas Füllkrug
Werder Bremen avec également 16 goals. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, amis auditeurs, tennis numéro 1 mondial, espagnol Carlos Alcaraz, principal favori. Tournoi Roland Garros avec le Serbe Novak Djokovic, en l'absence de Rafael Nadal, il éteint le talentueux italien Lorenzo Musetti, 18e mondial. Autre visage de la nouvelle génération, 6-3, 6-2, 6-2 en 8e de finale. Qualifié pour les quarts de finale, Alcaraz, 20 ans, a égalé son meilleur résultat sur la terre battue parisienne. Le Serbe Novak Djokovic, numéro 3 mondial, il a poursuivi sereinement sa quête d'un 23e titre après son succès en 3 manches sur le Péruvien Juan Pablo Varias, 6-3, 6-2, 6-2. En quart de finale, il va rencontrer le Russe Karen Khachanov, 11e dans la hiérarchie, qui écarte lui-même l'Italien Lorenzo Sonego en 4-7, 1-6, 6-4, 7-6, 6-1 chez les dames. L'Ukrainienne Elena Svitolina était bataille en pile pour lui imposer l'if face à la Russe Daria Kazatkina en 2-7, 6-7, 4, 6-7, 6. Victoire qui s'est déroulée sous les yeux de son mari Gaël Monfils, présent dans les tribunes. Qualification également pour les quarts de finale de la Tchèque Karolina Muchova, qui bat ton nom sans difficulté Elina Avanesian, la Russe, 6-4. 6-3. La Biélorusse Arina Sabalenka est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Roland Garros. C'est le lieu caractère américain Swan Sefen en 2-7, 7-6, 6-4. Basketball NBA pour nous finir. Après avoir coaché les Hornets pendant 4 ans, 2018-2022, James Borrego, désormais, il va l'officier en tant que premier assistant de Willie Green à la Nouvelle-Orléans. Borrego aurait choisi la Louisiane où il a déjà été assistant coach de 2010 à 2012 parmi plusieurs opportunités pour un poste similaire dont Milwaukee, coach des Bucks de Milwaukee de 2005 à 2007, Terry Stotts, est cette fois de retour dans le Wisconsin pour renforcer le staff d'Adrian Griffin en tant que premier assistant dans l'Arizona, pressenti pour occuper le poste d'entraîneur principal au centre de Phoenix. Kevin Young est finalement intégré le staff de Frank Vogel en tant que premier assistant avec une belle revalorisation salariale à la clé. En effet, il va toucher plus de 2 millions de dollars par an. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine l'actualité sportive, la Supernationale taekwondo note de rectification de la fédération sur l'information qui a circulé qui fait connaître que l'athlète Ali Achipman a apporté une médaille d'or dans le championnat du monde. Non, la vérité c'est non. Football féminin, Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, sorti 20 juillet pour arriver 20 août, début du stade de préparation de la sélection nationale le 19 juin en Suisse. Plusieurs grenadiers, dont Néria Mondésir, avec Batu Baloui, de passage en Haïti. Au côté par la sélection nationale masculine, qui est engagée, lui, en Gold Cup, qui va dérouler aux États-Unis, sorti 24 juin pour arriver 16 juillet, avec commencé de Baroli en Floride d'ici ce mercredi 7 juin. À l'étranger tennis, en tournoi de Roland Garros, Alcaraz, Djokovic, Khachanov, Svitolina, Sabalenka qualifié pour quart de finale. Basketball NBA, James Borrego, premier assistant coach des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, aux côtés de Willie Green. Football, championnat d'Espagne, départ de Karim Benzema du Real Madrid après 14 ans de bon service. Championnat de France, après Sergio Ramos, Paris Saint-Germain officialisé départ de Lionel Messi. FA Cup en Angleterre, un nouveau trophée pour Manchester City qui bat Manchester United. De 1 en finale. Alter Sport arrivé dans le bout, les amis auditeurs. Merci un peu pour l'attention. Merci à collaborateurs, non, Jules Sandewa qui était dans la réalisation. Le micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal, ça n'a bien un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org.
Alter Radio, l'idée frais dans affaires radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio. Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Presse depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. alterpresse.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Presse Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Presse Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. L'Ukraine a affirmé lundi gagner du terrain aux abords de la ville ravagée de Bakhmout dans l'Est, mais a relativisé l'ampleur des actions offensives menées ailleurs sur le front, la Russie affirmant au contraire repousser des attaques d'envergure. Ces opérations ont eu lieu à un moment où les autorités ukrainiennes disent préparer depuis des mois une vaste contre-offensive destinée à obliger les troupes russes à se retirer des zones qu'elles occupent. Elles ont cependant prévenu qu'elles ne révéleraient rien de leur plan ni du calendrier de cette attaque. Lundi, l'envoyé du pape François pour la paix, le cardinal italien Matteo Zuppi, s'est rendu à Kiev pour discuter avec les autorités ukrainiennes des voies de résolution de la guerre avec la Russie et des besoins humanitaires. Toujours en Europe, Londres, attendu pour un procès retentissant contre un tabloïd britannique, le prince Harry a fait lundi faux bond à la haute cour de Londres où son avocat a longuement dénoncé les pratiques de ce journal dont certaines remontraient à la petite enfance du fils du roi Charles III. Aux États-Unis, des avocats de Donald Trump ont participé lundi à une réunion au département de la justice où l'enquête sur sa gestion des archives de la Maison-Blanche semble toucher à sa fin, ont rapporté les médias américains. Ils ont plaidé que leurs clients ne devraient pas être inculpés pour avoir conservé des documents classés confidentiels après son départ de Washington. Plusieurs sources proches de l'enquête citée par CBC pensent qu'une décision à propos d'une éventuelle inculpation est imminente. En quittant la présidence pour s'installer dans sa luxueuse résidence en Floride, Donald Trump a emporté des boîtes entières de documents. C'est la première fois dans l'histoire américaine que l'ancien président fait l'objet de poursuites pénales. Toujours aux États-Unis, l'ancien vice-président Mike Pence a déposé lundi sa candidature à la Maison-Blanche selon des documents publiés par la Commission électorale fédérale. Il défiera donc son ancien patron Donald Trump lors des primaires républicaines de 2024. Le conservateur officialisera mercredi, le jour de ses 64 ans, son
son entrée en lice avec une vidéo, puis un rassemblement à des moines en Iowa et terminera la journée sur un plateau de la chaîne CNN selon ses proches. Au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a plaidé lundi en faveur d'une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite à la veille d'un déplacement dans le royaume saoudien. M. Blinken doit se rendre mardi à Jeddah, le port saoudien où la famille royale saoudienne prend ses quartiers d'été, ainsi qu'à Riyad mercredi et jeudi où il participera notamment à une réunion de la coalition des pays luttant contre le groupe État islamique. En Afrique, au Sénégal, un calme précaire s'est installé après les violences qui ont éclaté du 1er au 3 juin 2023, notamment à Dakar, la capitale. 16 personnes ont été tuées, selon le dernier bilan officiel. Des troubles avaient éclaté dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko.